Waouh les amis, voici les 5 jeux mobiles les plus marrants du monde en une seule vidéo. Tous ces jeux sont super marrants, donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. L'effrayante maîtresse est en train de dormir. Ne la laissez pas dormir. Ah ça les amis, vous pouvez compter sur moi. Alors soit on choisit de lui mettre de la glu, ou alors on la réveille avec un klaxon. J'aime bien les réveils brutaux. Alors c'est parti, gros klaxon dans ses oreilles, c'est parti. Réveille-toi, faut aller à l'école. Ah mais c'est le réveil qui sonne en fait. Oh. Elle a essayé de le désactiver, elle s'est pris le klaxon. Boum, allez, au boulot maintenant. Oh la tête qu'elle a, elle est affreuse, la Scary Teacher. Ok, maintenant, il faut laver ses dents dégueulasses. Alors, est-ce qu'on choisit de la sauce piquante ou alors on lui met de la crème à raser? Dans les deux cas, ça va être un très bon prank. On est actuellement sur Prankster 3D, un jeu dans lequel, vous l'avez compris, nous allons devoir tout faire pour prank un maximum cette maîtresse effrayante. Tellement effrayante qu'elle mérite vraiment les meilleurs pranks du monde. Donc, c'est parti. Est-ce qu'on prend la sauce piquante ou pas? J'ai peur qu'elle détecte vu qu'il sera un peu rouge. Mais après le dentifrice il a l'air d'être rouge. Bon, je vais mettre la sauce piquante, elle verra peut-être pas. Allez c'est parti, j'ai mis de la sauce piquante, c'est parti. Vas-y prends-le, il est plein ton truc. Allez hop, oh, voilà. Oh c'est même pas rouge, bon parfait. Allez vas-y lève-toi les dents. Lève-toi les dents. Ah oh 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 oh. Wouah, elle a le feu dans la bouche. Allez directement. Elle va choisir de l'eau. Elle veut se rincer la bouche. Est-ce qu'on lui met du vinaigre ou alors on lui met du soda? Alors là, du soda, ça serait un peu trop sympa. On va mettre du vinaigre. Là, ça va être efficace, moi. Là, tu vas plus avoir rien. Mais bon, à mon avis, tu vas passer un seul quart d'heure. Parce que c'est vraiment pas bon, le vinaigre. Elle le boit comme ça. Elle le boit d'un coup cul sec. Oh, mais là, la pauvre. Pour en à peine 30 secondes, on l'a déjà prank 3 fois plutôt bien, je trouve. On a fait les bons choix et on passe au niveau suivant. Oh, qu'est-ce que ce jeu est génial. Niveau 2 maintenant. Hein. Oh. On va mettre un piège au niveau de sa porte. Est-ce qu'on met du ketchup ou alors on met des nouilles? On va mettre du ketchup, allez, c'est parti. Elle va être toute rouge. Oh, non, il a pas pété le truc. Oh, il est juste tombé sur la tête. J'ai perdu, on peut perdre dans ce jeu apparemment. Bon bah j'ai pas le choix, je vais mettre les nouilles. Et là, ça va être efficace parce qu'il va se renverser. Oh, ses nouveaux cheveux. Eh hey, madame, qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux? Vous avez essayé de les boucler ou quoi? Ah, elle veut aller se laver avec son shampoing. Est-ce qu'on lui met une couleur à l'intérieur ou alors on lui met de l'eau de Javel? Oh, l'eau de Javel sur les cheveux, ça donnerait vraiment un truc très très mauvais. Alors on va se contenter d'une couleur, ça peut être très sympa. Surtout si ça lui met une petite couleur au niveau de ses cheveux, une petite couleur rouge, ça pourrait être pas mal. Allez hop. Oh mais de toute façon, ils sont tout grisonnants ses cheveux. S'ils pouvaient changer de couleur, ça lui ferait pas de mal dans tous les cas. Alors si on se prépare... madame, vous êtes habillée, je trouve. Regardez ce qu'on lui a fait comme coupe de cheveux, et elle se croit belle en plus. Oh non, du coup j'ai perdu le niveau je pense. Bon bah très bien, on va mettre de l'eau de Javel, mais là par contre, adieu madame, vous êtes complètement morte. Ah non, ça va, on va pas le manger donc ça va. Alors attention, on va le mettre. Qu'est-ce que ça va donner cette fois-ci? Je ne sais pas, on va voir. Attention, la petite douche. Et madame, vous avez pas de rideau? Oh, je ne savais pas que ça faisait ça. Ah, vous êtes belle madame, vous inquiétez pas. Oh là 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 là, la tête qui est là quoi. Oh, il faut la faire tomber. Est-ce qu'on tend un fil ou alors on met de l'huile bien glissante? Oh, le petit fil, c'est discret. Le petit fil bien discret comme ça qu'elle va se prendre. Attention madame, ça va sauter. Oh, face plant. On l'a bien eu. Bon, je me demande ce qui se serait passé si on avait mis de l'huile. Je pense qu'elle l'aurait vu ou quelque chose comme ça. Oh, madame fait de l'exercice. Alors, soit on défait ses lacets ou alors on augmente la vitesse du tapis de course. Oh, ça peut être sympa d'augmenter la vitesse du tapis de course. Allez, cours, madame. Mais plus, plus. Ah non, on l'a complètement pété. Oh, ça va être n'importe quoi. Oh, accrochez-vous, madame. Accrochez-vous. Non, vous accrochez pas. Tombez. Tombez. Oh là là, oui, si elle réparait. Bon, bah tant pis. Allez, hop, on défait les lacets et attention, vous allez marcher dessus. Boum. Let's go. Oh, mais elle fait beaucoup de musculation apparemment aussi hein. Bon, est-ce qu'on fait quelque chose avec de la glu ou alors on augmente les poids? On va fixer avec de la glu. Qu'est-ce qu'on va faire avec la glu? Ah oui, on va fixer les poids au sol. Elle va essayer de les soulever, elle pourra pas. Elle va se péter le dos. Oula, attention, madame est prête. Elle a 10 kilos de chaque... Elle a 5 kilos de chaque côté plutôt. Ça fait... Oh. Boum. Et ouais, c'était pas très lourd, mais c'était surtout collé au sol. Bon, cette fois-ci, est-ce qu'on met... Alors, on va tester l'huile. On va voir ce que ça donne. Un petit peu d'essence là-dessus, là. Qu'est-ce qui va se passer, là? Elle va prendre le ballon. Non, elle va pas le prendre alors qu'il est comme ça. Oh, attention, ça va glisser sur les fesses. Wouh là. Yes, allez hop sur le tapis, fais des abdos. Ah mince, c'était pas ce qu'il fallait faire, apparemment, on lui a pas fait assez mal. Bon, hein, du coup, on va tenter l'autre option qui est de pomper le ballon.
Ça va lui exploser au visage. Ça, ça va être pas mal. Adieu, madame. Ça va péter. Attention, non, mais tu... Je que ça allait péter, moi. Mais non, elle a rebondi sur le plafond. Alors, elle est en train de nettoyer sa voiture, apparemment. Vous avez une très belle voiture, madame. Et nous, on va faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on met de la peinture ou alors du sable, je crois? Allez, on va mettre de la peinture. Parce que sa petite voiture rose, là, on va la rendre toute bleue. Comme ça, je pourrais me la prendre un peu et elle sera beaucoup plus sympa pour moi. Alors, là, c'est mort, là. Là, c'est mort. Là, c'est complètement mort. Tu vas faire comment, là, maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Je comprends pas, là. Oh, on va mettre ça. Comme ça, elle va essayer de frotter la peinture et en fait, ça va complètement rayer la carrosserie. Oh, la ponceuse. Ça va devenir une ponceuse. C'est une mauvaise idée. C'est trop. Elle est trop forte. Ah non, ça marche. Oh, ça a trop bien marché, ça a même pas abîmé la voiture. Mais oui, la ponceuse, ça peut être bien pour la peinture, c'est vrai. Bon, bah voilà, elle est toute propre, hein. Bon, du coup, on va faire l'autre option. Et là, cette fois-ci, tu vas la rayer, je te le dis. Là, tu vas la rayer. Oh, c'est dégueulasse maintenant. Regarde-moi ça. Elle est à fond, elle s'en fout, elle a pas vu encore. Quand elle va le voir, elle va péter un plomb. Oh, ouais. Bien fait pour toi. Niveau 5, maintenant. Elle se regarde tranquillement dans le miroir. Alors, est-ce qu'on lui donne un spray comme ça ou un spray de couleur? Tout à l'heure, les couleurs, elle était contente. Donc, on va lui donner celui-là. Je sais pas ce que ça va faire. Est-ce que c'est une sorte de gel ou quoi? Ah, c'est devenu une sorcière, les amis. C'est plus notre maîtresse. Oh, mais c'est qu'elle a de l'équipement chez elle. Alors, ça, il me semble que ça permet de chauffer les cheveux. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que soit on y met le feu ou soit on met la puissance maximum. Je pense que si on met le feu, elle mettra pas sa tête dedans. Donc, allez, puissance maximum. Et là, elle va exploser. Attention, madame, vous allez prendre feu. Oh, oh, alors est-ce que... Oh non, ça lui a retourné bien. Oh là, il reste dégueulasse ses cheveux quand même, hein. Ok, on va couper les fils et du coup, ça va péter un moment. Oh oh, après c'est directement dedans qu'ils sont. Je ne veux pas voir ça. Oh, 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 ça fait mal. Oh, oh, madame, vaut mieux être complètement chauve, hein, je vous le dis. Parce que là, on dirait des confettis, les trucs, hein. Ah, mais il y a sa perruque qui est là. Est-ce qu'on y met du miel ou alors de la poudre qui gratte? Oh, ça, ça peut être pas mal. On va la mettre, elle va pas s'y attendre. Ça va complètement lui... Ça va complètement lui gratter les cheveux, attention. Voilà, poubelle. Elle ressemble à rien. Vos élèves vont pas vous reconnaître à la rentrée. Niveau 6 maintenant. Ah, elle a l'air de rigoler. Oh, elle regarde un Looney Tunes. Est-ce qu'on lui met un film d'horreur ou alors un film mystérieux? Moi, je dirais petit film d'horreur, mais je sais pas si elle a peur des films d'horreur. Attention, c'est parti, on va aller. Ça, ça fait peur. Oh, elle a hyper peur. Bah alors, maîtresse, comment ça se passe? Bon, tournevis ou marteau? Je sais pas ce qu'on va faire, mais nous, on va utiliser le marteau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va... Oh, j'ai enlevé la serrure, elle pourra pas sortir. Oh, what, t'as réussi à le démonter le truc. Bon bah au moins ça lui a fait une porte cassée, hein. Bon du coup la bonne solution c'était le tournevis. Ah d'accord, on va complètement figer la porte. Elle sera solide, elle ne pourra plus sortir. Ah si, on l'a démonté justement. Parfait. Oh madame, vous avez un sauna dans le jardin. Très bien, alors attendez, on va... Oh, on passe par-dessus. Est-ce qu'on y met une boule puante ou alors juste une balle qui va permettre de faire un maximum de mousse? Je pense que si on met une boule puante, elle va tout simplement sortir du sauna tranquillement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une basse bombe. Comme ça, ça va mettre de la fumée partout. Et elle va rien voir. Oh, ça fait des belles couleurs. Est-ce qu'elle va s'étouffer là-dedans ou quoi? Comment ça va se passer? Alors, ok. C'était pas ça qu'il fallait faire. On va mettre une boule puante, du coup. Mais faudrait fermer, là. Faudrait fermer ensuite. Et à mon avis, c'est ce qu'on va faire. On met la boule puante dans un premier temps. Et ensuite... Oh, elle est trop stylée, regardez. Et bam. Oh, oh, ça pue là-dedans. Est-ce qu'il faut fermer? Faut fermer vite avant qu'elle sorte. Vite avant qu'elle sorte. Non, elle a pas l'air de vouloir sortir. Ok, bah très bien. Allez, hop, oh, c'est tout. Oh, ça pue, madame. Ok, on a réussi notre prank. Ah non, elle veut sortir, elle veut sortir. Il faut fermer, il faut fermer. On va mettre une grande barre comme ça entre les barreaux. Et normalement, elle pourra pas sortir. À moins qu'elle pète la vitre. Oui, elle peut pas. Elle est obligée de mourir dans cette planteur. Oh, on y va un peu fort quand même avec notre professeur, hein. Faut pas faire ça dans la vraie vie, évidemment. Elle est sortie. Il faut la faire tomber. Cette fois-ci, on a le même choix que tout à l'heure, sauf que là, on va mettre de l'huile. Parce que sinon, je sens qu'elle s'y attend au petit fil. Et allez, hop, ça glisse. Boum, on l'a eu. Yes. Oh, madame est un maillot de bain. C'est un très joli maillot, madame. Oh, elle veut se poser là-dessus, sur son petit transat. Est-ce qu'on y met du sable qui va lui piquer les fesses? Ou alors on pète les pieds du truc, du transat. Comme ça, elle va se péter la figure. On pète suffisamment de manière à ce que ça se casse comme ça. Et bam, le coccyx. Ça va le coccyx, madame? Maintenant, on va s'occuper de sa crème pour bronzer. Est-ce qu'on y met du miel ou alors de la sauce barbecue? Tout à l'heure, on n'avait pas choisi le miel, alors je vais mettre du miel, mais la sauce barbecue, ça aurait été marrant. Mais allez, on va mettre du miel et ça va lui coller partout. Mais je sais pas si on va gagner le niveau avec ça, hein, je sais pas. Ça colle. Ça colle, ça colle. Mais au moins, ça fait du bien à la peau, hein, le miel, hein, ça fait... Oh,
Ça attire du monde. C'était ça la solution. Mais dans la piscine, madame, c'était dans la piscine. Oh, elle est partie où là? Est-ce qu'on lui met un piège avec un filet ou alors on lui met une petite piscine? Oh, si on lui met une petite piscine, elle va aller dans l'eau et elle sera peut-être protégée. Alors du coup, on va lui mettre un filet et voilà, c'est réglé. La maîtresse est complètement neutralisée et elle se fait piquer de partout. Franchement, niveau prank, on est pas mal. Dans son mixeur, est-ce qu'on y met du laxatif ou alors des mentos? On va lui mettre des mentos, peut-être que ça va exploser. Ça dépend ce qu'elle a mis avec. Hein. Ça dépend ce qu'elle a mis. Oh, ça va lui exploser dans le ventre, quoi. Oh, attention, oh, ça pète. Oh, ça a pas l'air de leur faire grand chose. Hein. Bon, bah, on va lui mettre du laxatif, alors c'est parti. Des petits médocs. Attention, elle boit ça et. Oh, oh, oh. Apparemment, les laxatifs ont fait effet. Bon, faut la faire tomber. Est-ce qu'on la fait tomber avec des billes ou sur un skateboard? Sauf qu'on est tous d'accord, les abos, on veut voir la Scary Teacher sur un skateboard. On veut voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle gère ou pas? Peut-être qu'elle gère. Waouh! Elle aurait même pas réussi à monter dessus. Niveau réussi. Waouh! Madame, qu'est-ce que vous faites sur votre plongeoir là? C'est dangereux. Waouh! Ce salto de fou! Est-ce qu'on y met du ciment ou du jelly? On va mettre du ciment, on va mettre du ciment partout sur la piscine, allez hop! Ça va faire mal! Bien joué ça! Ah! Oh, ça a l'air d'aller finalement, ça a l'air d'aller! Oh, le transat, il faut le piéger, il faut le piéger! Qu'est-ce qu'on peut mettre maintenant? Des pins ou un coussin péteur? Oh! Il faut mettre un coussin péteur pour essayer, même si ça aurait fait plus mal, je pense, les petites. Oh, madame, alors on pète. Oh, ça a l'air de la faire rire. Bon, là, cette fois-ci, des petites punaises. Oh, elles sont plutôt grosses. Ah, là, va moins rigoler, je pense. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va faire tellement mal. Allez, on est de retour à l'intérieur. Elle veut s'habiller, mettre une belle petite robe. Enfin, attends, moi, je la trouve plutôt moche. Hein. Oh, est-ce qu'on y met des petits cafards à l'intérieur ou on la coupe avec des ciseaux? Bon, allez, on va y mettre... Non, c'est des fourmis, apparemment. Des fourmis de feu. Allez, hop. Oh, ça va piquer. Oui, oui, ça pique les fesses. Ah, c'est comme du poil à gratter, ça. Ok, elle veut aller dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut manigancer quelque chose avec ça ou ça, hein? Qu'est-ce que c'est, ça? Je sais pas. Allez, attendez, on va essayer de casser... Oh, y a plus d'eau. Y a plus d'eau, ça va plus marcher. Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte, vous allez faire comment? Allez hop, dans la cuvette des chiottes, y'a de l'eau. Là, on va lui poser sur le comptoir un spray pour le corps ou alors un heat spray, un spray qui va pas l'aider sûrement à se rétablir, ça va piquer. Ça va être le feu encore. Ah, oh, non, elle veut pas le mettre. Si, elle le met, elle le met, elle le met. Oh oh, elle va être en feu ou quoi? Non, ça la gratte encore plus. C'est n'importe quoi. Elle est de retour dans sa salle de sport, sauf que cette fois-ci... Elle veut prendre un shaker de protéines ou des œufs. Ah bah écoutez, on va lui mettre des œufs, hein. Ça va être pas très bon comme ça cru, mais bon. Au moins il y a plein de protéines, ça peut être efficace. Enfin, ça dépend de l'état des œufs surtout, hein. Si les œufs sont pourris, ça va pas être fou, hein. Mais peut-être que ça tend à avoir un pot de protéines comme ça, mais non, c'est des œufs. Ça va pas être bon, madame. Oh oh. Oh non, je ne veux pas voir ça, elle est partie vomir. On peut y mettre un petit film alimentaire comme ça qui va l'empêcher. Oh mince, ça va se voir ça. C'est de l'alu, elle va le voir. J'aurais dû mettre l'autre transparent. Oh, comment elle fait là? Oh, elle a directement posé. Ah non, elle a troué le truc. Comment elle est efficace, la dame. Du coup, on va lui mettre l'autre film. Voilà, il est un petit peu plus discret cette fois-ci. Et peut-être qu'il se fera moins transpercé. Allez, faites vite, madame, on veut pas voir ce qui se passe. Elle a posé dessus. Waouh, c'est dégueulasse. C'est le pire niveau possible de ce jeu. C'est complètement dégueulasse, passons au suivant. Ok, on est à l'extérieur, elle sort enfin de chez elle. Ou alors elle y rentre, je sais pas, non, je crois qu'elle rentre chez elle. Elle a fait les courses. Et maintenant, on va y faire quelque chose. Blowtorch, qu'est-ce que c'est ça? On va y mettre le feu ou quoi? Ouais, on va complètement foutre le feu. Ça va être brûlant, elle pourra pas ouvrir, mais peut-être qu'elle va ouvrir celui de gauche. Je sais pas, attention, on va voir. Oh les yeux. Oui, aïe, 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 ah, c'est brûlé. Oh, ce saut en arrière. Est-ce qu'on l'aide, on lui met un trampoline ou alors est-ce qu'on lui met de la peinture? Ah, évidemment, on va pas l'aider, hein, on va pas lui mettre un trampoline. Hein. Elle va tomber là-dedans. Hein, c'est quoi? Une grosse tache de peinture. Oh, shit. Oh, bah voilà, hein. C'est réglé. Ah, madame est musicienne, apparemment. Intéressant. Montrez-moi un petit peu ce que vous savez faire. Oh, je peux mettre de la sauce dedans ou alors des pulls. On va mettre des pulls. Elle va souffler des pulls. Waouh, c'est très beau, madame. Ouais, ça te fait rire, hein, ça te fait rire. Bah attends, tu vas voir ce qui t'attend. Regarde, on va te mettre ça cette fois-ci. Et là, tu vas moins rigoler. Ça risque de piquer. Oh, oh. Wow. Hé, hey, j'aime pas ton instrument comme ça. Oh non, elle est pas retournée aux chiottes quand même. Ah non, elle a besoin d'eau, elle a besoin d'eau. Ah bah y'a rien dans le frigo. Qu'est-ce qu'on y met? De la glace ou du lait? Oh, le lait c'est super utile lorsque t'as mangé un piment, donc du coup on va lui mettre de la glace. Je sais pas ce qui va se passer. Ok, elle arrive, elle va prendre la petite glace. De toute façon y'a que ça, hein. Y'a pas de choix là.
Vas-y, prends-moi ça. Voilà, un petit morceau de glace. Ah, le glace est bloqué. C'est bloqué sur sa petite langue. Il faut la faire tomber. Est-ce qu'on met du film plastique ou alors du papier toilette? Va le voir si c'est du papier toilette. Bah du coup, on va mettre du film plastique. Je sais pas si ça va être efficace. Oh, le coup de la corde à linge qui va lui arriver en plein dans la figure et dans la nuque. Bam, dans le cou. Ça, ça fait mal. Oh, madame, vous faites du skate. Oulala, c'est risqué, c'est risqué. Ok, ouais, pas mal. Est-ce qu'on enlève quelques vis? Ou alors on y met un petit coup de pince comme ça? Ouais, on va enlever des vis. Allez, c'est parti. On enlève les vis du skate. Oh, what? On les met là? Oh, ça va figer son skate. Oh, elle va tomber en arrière, c'est sûr, elle va tomber. Ah non, elle est tombée en avant. Wow, c'est quoi ça? C'est un tas de merde. C'était de la boue. Allez, on va lui mettre de l'attrape moustique sur elle. Oh, oh, ça va arriver, à mon avis, il y avait des moustiques qui vont arriver. Oh, c'est complètement bloqué sur elle. Oh, ça lui a fait des boutons dégueulasses. Est-ce qu'on lui met de la crème solaire ou de la crème qui est chaude, la crème bouillante, la crème? Est-ce que ça va être utile ça? Oh, c'est encore pire. Oh là là, regardez là, elle est horriblissime. Est-ce qu'on lui met du papier ou bien un bidon d'huile? Un petit bidon d'huile, ça pourrait être sympa, non? Ça va pas trop le faire là, les amis. Attention, ça va peut-être péter là. Oh, oh, ok, non, ça va. Waouh, ça y est, explosion. C'est parti, là, tu peux plus rien faire, t'es incontrôlable. Est-ce qu'on y met un ventilateur pour pourquoi pas mettre le feu à sa maison ou alors on lui donne de l'eau? Voilà, ça va être ventilateur direct. Hein. On veut que ça mette le feu à la maison. C'est parti, le sauna. Et en feu! Let's go! Ça commence par là. Il faut maintenant s'attaquer à la maison. Est-ce qu'on utilise le téléphone ou de la poudre? On va mettre de la poudre comme ça, ça va exploser. C'est de la gunpowder. Oh oh, mauvaise idée de prendre ça. C'est une très mauvaise idée. À mon avis, avec le téléphone, elle aurait pu appeler les pompiers. Et bam! Heureusement, elle est tombée dans la piscine quand même. Hein. Sinon, il n'y aurait plus de niveau. Elle serait complètement foutue. Niveau 18 maintenant. Elle est en train de faire des crêpes, apparemment. Des belles petites crêpes ou alors des pancakes. Je sais pas. Wow! Ouais, c'est les pancakes. Alors, est-ce qu'on enlève la petite assiette? Voilà. Hop là, pancake de perdu. Oh, elle a pris directement dans la bouche. Elle est forte, elle est forte. Du coup, ça sera le ventilateur et là, tu vas te le prendre directement sur ta face. Poum, là, c'est brûlant. Alors, ok, elle va manger ses pancakes restants. Elle va y mettre de la sauce. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre là-dedans? De la moutarde ou de la glu? De la glu, de la glu directement. On veut de la glu. Allez, c'est parti. Mets ça là-dessus. Oh, ça va être dégueulasse. Elle le mange en plus. Oh, c'est dégueulasse. Ça colle, madame, dans votre bouche. Ah oui, ça colle. Ça a l'air de coller là. Oh, c'est horrible. Le dentier! Il fallait s'en douter! On l'a bien eu sur ce coup-là! Ok, niveau 20 maintenant, de retour dans la salle de musique. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Une petite danse? Oula, oula, on veut pas voir ça, on veut pas voir ça couper! Arrêtez la musique! On va utiliser une punaise, mais qu'est-ce que ça va faire en fait? Oh ouais, non, pas qu'une seule là, on utilise carrément la boîte, on en met 3, 4, ok, on en a mis 4. Oh, quand elle va allumer son truc, ça va les expulser, ça va lui tomber sur la tête! Ouh, attention, ça va péter! C'est horrible. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait un peu plus mal que dans les fesses, apparemment. Alors, est-ce qu'on y met des vis ou alors un coup de marteau? Allez, un petit coup de marteau, je sais pas ce qui va se passer. Oh, on lui a complètement pété son truc. Elle pourra plus rien écouter. Bah, au moins, on aura plus le droit à tes danses toutes pourries. Ok, elle a rien cédé, apparemment. Oh, bah si, en fait. Tout va bien. Bon, du coup, on va y mettre... Ah, comme ça, on a complètement rayé son CD et elle ne pourra plus rien écouter. Ça risque de faire... Choisissons la fenêtre pour voir, mais j'ai bien peur qu'elle tombe. Oh, un coup de... Un courant d'air, je sais pas. Non, elle va se pencher. Oh, oh, attention, c'est dangereux. Oh, le fil qui était au sol. Wow, elle s'est fait rattraper. Vous avez de la chance, madame. Ok, je perce un petit peu au niveau des yeux, comme ça. Voilà. On va creuser le deuxième œil, comme ça. Vas-y, tourne-moi ça. Oh, ok, les yeux sont pas mal faits. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on fait le visage tranquillement. Hop, vas-y, hop là, ratisse-moi ça. C'est très guidé pour l'instant. On va continuer un petit peu. Hop là, hop, ça me propose de valider. Mais moi, écoutez, je suis pas totalement satisfait, là. Hop, on va faire ça. Et oh, c'est pas mal, là. Attendez, on va ratisser un petit peu ici, c'est dégueulasse. Fais-lui un bon menton. Oh, ça me fait penser au jeu que j'avais fait là, où je devais polir une feuille d'alu. Alors ça a continué sans moi. On va le faire, le masque. Oh, j'ai dépassé un petit peu, mais ça va le faire. T'inquiète, hop, voilà. C'est pas mal. Hop, on valide. Oh, oh, trop stylé, c'est bien fait, c'est bien fait. On va lui mettre un chapeau. Tiens, mon ami. On va lui mettre des yeux, évidemment. Voilà. Et c'est pas mal. Bon, il a une tête de bébé, notre Zoro, mais... Attends, ah, je vais peut-être lui ajouter les oreilles aussi. J'avais oublié. Ok, on valide. Pas mal.
Alors, est-ce que j'ai une note? Oh, c'était le tuto. Ah oui, si, il y a quand même une note pour le tuto. J'ai les 3 étoiles car j'ai été très bon en créativité, en accessoire. Hey, ça va trop vite! Non, j'ai pas besoin du cadeau pour l'instant. Du coup, créativité, accessoire et peinture. Très, très bien. Allez, bah, c'est parti pour le jour numéro 2. Je me demande qui c'est qu'on va avoir ensuite. Jour numéro 2, merci, il a eu sa sculpture et qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une photo de sa fille, je crois. Oui, je vais la faire, ok. Alors, il faut choisir la couleur de peau qui correspond le mieux. J'ai plusieurs types d'argile. On va prendre celle-ci, je pense. Non, peut-être celle-là. Voilà, on va prendre celle-là. Je vais malaxer tout ça, vas-y. On va lui faire les yeux correctement, vas-y, tourne, tourne. Oh là, j'étais un peu fort, mais oh, ça a l'air d'être pas mal. On va lui faire la bouche comme ça et tirer un peu sur le côté, vas-y, creuse. Hop là, je suis parti où là? C'est parfait, ils sont parfaits les trucs. On va durcir le tout, on aplatit. Tac, pas mal, ils veulent que je m'arrête. Non, 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 je continuerai jusqu'à que tout soit plat. Je veux un maximum de satisfaction dans cette vidéo. Voilà, on est pas mal là. C'est un peu glauque comme jeu quand même. Elle fait faire sa fille en argile, c'est un petit peu bizarre. On va lui mettre la couronne, ainsi qu'avec, pourquoi pas, des dents. Et ça ressemble plutôt pas mal. Je vais ajouter un petit peu de peinture hein, sur les joues. On va prendre la rose, évidemment, on va pas se tromper. J'y étais un peu fort, mais c'est bon. C'est validé. Alors, est-ce qu'elle va me mettre les 3 étoiles? Elle a l'air d'être satisfaite. Elle m'a mis les 3 étoiles, bien évidemment. De toute façon, c'est que le niveau 2, c'est très simple. Allez, on continue. Je voudrais une petite amie folle. Il est chelou, celui-là. Il veut donc que je lui fasse un visage pour pouvoir faire des bisous à la boule d'argile, n'importe quoi. Ah, faut que je débloque le rouge, moi. Alors, bon, apparemment, c'est déjà à modeler. Ah non, pas du tout. C'est à moi de le faire. Hop, voilà. Mais en vrai, j'ai débloqué le rouge, mais moi, c'était plus la peinture pour les lèvres que je voulais. C'était pas pour l'argile. Bon, c'est pas grave. Et il aura une personne rouge. Au moins peut-être qu'il me donnera de la créativité. Oula, elle fait pas de sourire là. Je crois que je me suis complètement fail sur la bouche. Allez, écrase-moi tout ça, hop là. On va essayer de lui redonner un petit... Ah, voilà. Le petit sourire qui apparaît. On est pas mal, allez, essayez de grandir un petit peu là. Voilà. Maintenant on va lui faire un masque. Alors, ah oui, c'est bon, j'ai bien le rouge hein. Le rouge sur le rouge, ça va pas être fou hein. Alors attendez, parce que qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il veut que je lui fasse les yeux, mais la bouche aussi. Ah mais ça va rien faire. Oh ok, ça fait pas grand chose. Hein. Oh mais c'est hyper glauque. C'est hyper bizarre. Il va vraiment être... ça va vraiment être sa petite amie ça. Oh merde. Qu'est-ce que c'est ça? Oh shit. Mais... Ah non ok, je croyais que ça allait loucher. Ça aurait été marrant. Hop, je te mets ça là, je te mets ça là. Tiens, prends ton oreille et on valide. Hop là, terminé. J'espère que ça va lui plaire. Ouais, ça... Ouais, ouais, ok, nickel. Ah, un petit cadeau. Allez, cette fois-ci, on va le prendre. Qu'est-ce que c'est? Ok, la petite peinture bleue, on accepte. Eh, salut. Bon courage avec ta nouvelle petite amie. Oh, trop stylé. On va faire la sculpture de Mike Tyson. Quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant que ce qu'on vient de faire juste avant. Hein. Allez, là, je vais me concentrer. Je vais faire ça bien. Ah, mais je suis obligé de le faire un peu rouge. Par contre, son tatouage, on dirait qu'il est vert, là. Est-ce que je me prends la couleur verte? Non, allez, on va faire 100. Ah non, ça va, c'est pas trop rouge. C'est cool. Ça correspond à sa couleur de peau. Allez, on va continuer. On va se faire les petits yeux comme ça. Pas mal. Oh, j'ai bien enfoncé. Oh là, ça force d'avoir pris des coups à la boxe, ça. Tiens, vas-y, continue. Et là, je vais m'appliquer. Hein. Je veux vraiment faire un truc stylé. Hein. Là, je m'arrête pas tant que je vois des petites ratures comme ça. Hop, voilà, les sourcils, c'est fait. On va y aller. On va les remodeler après, les sourcils. On fera mieux. Hein. Bon, là, par contre, il faut pas un sourire. Hein. Il sourit pas trop, lui. Hein. Ok, pas mal. Les petites oreilles, les yeux, c'est pas mal. On est très bien, on est très bien. Allez, juste après, je vais essayer de me fail un petit peu. Oh, on va le changer. Oh, stylé. Il a les yeux verrons. Après, je vais essayer une sculpture un peu ratée. On verra ce que ça donne. Alors, du coup, pour son tatouage, hop, vas-y, montre-moi. Tac. On va mettre le noir comme ça. Tourne un peu la tête, s'il te plaît. Merci. Hop, voilà. Je suis en train de parler à de l'argile quand même. Hein. Voilà. Nickel. Parfait. Voilà, le tatouage est très bien fait. Ah, j'ai la possibilité de rajouter un motif sur, sur quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ah, c'était pour l'emballer? Ah, ok, d'accord, d'accord, c'est une livraison. C'est une livraison, non, non, elle est là. C'est juste qu'on le protège parce que c'est une pièce exceptionnelle. Ah putain, ça lui fait des cheveux, quoi. Alors, est-ce qu'elle est contente? Ouais, ça va pour l'instant, c'est un sans faute. 3 étoiles partout. Salut à toi et amuse-toi bien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ouh, mais qui est cette personne? Bon, allez, je vais faire ça vite fait. C'est bon, c'est une petite fille, elle verra pas le problème. Allez, je vais vraiment faire ça vite. Voilà, hop. Les yeux, bon, j'ai pas le choix. Je crois que les yeux, je peux pas m'arrêter. Ouais, si, si, je peux m'arrêter. Je peux juste faire parfait. Ok. Et alors là, je vais essayer de faire un truc genre complètement déformé. Attendez. On va faire comme ça. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Oh là, mais à quoi ça va ressembler? Hop, des cheveux. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, non, non, c'était pas les bons cheveux, ça. On va lui mettre des beaux petits yeux. Hop, oh, ça ressemble pas du tout. Hein. Oh, je vais me faire démonter. Alors les sourcils, on va lui mettre les sourcils bleus. Et les lèvres aussi. Alors les lèvres, ah si, ça change un petit peu.
Allez, on valide. Qu'est-ce que je viens de faire? Bon, on va quand même lui mettre la barbe. Hop, tiens. Quel chapeau? Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là, c'est le bon. On valide et... Mais pas mal, franchement. C'est pas mal, là, comme ça. Oh, regardez, je peux le modeler encore, hein. Ouais, là, c'est... C'est si t'es pas sûr de ton truc, tu changes un petit peu tes cartes. La joue de gauche, je trouvais pas assez grosse. Ah. Mais what? Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais non. J'ai complètement anéanti mon travail qui était déjà magnifique. Alors, j'espère avoir les 3 étoiles, là. Allez, je valide. Mais... Oh, putain, j'ai cru qu'elle allait mettre les 3 étoiles, mais 2. Elle m'en a mis 2, quand même. Elle a kiffé ma sculpture. Comment c'est possible? Bon, bah, salut. Encore un client satisfait. J'aime la France. Eh bien, moi aussi. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, elle veut un drapeau français. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas ce qu'elle veut. Vive la France. Quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Mais... Je m'aventure dans un truc, je sais pas. Apparemment, on fait un visage, d'accord. Est-ce qu'il va falloir que je fasse le drapeau français sur le visage? Sûrement. Hop, on va essayer de modeler. Ah, attendez, je vais faire que. Voilà, comme ça, de manière verticale. Sur les côtés, je fais absolument rien. On valide. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'ai le bleu. Ah, j'ai pas le blanc par contre, hein. Je crois que j'ai pas le blanc. Tac, comme ça. Bah, le blanc, on va laisser la couleur d'origine, hein, tout simplement. Le rouge, on le met là. Tac. Bon, ça rend pas ouf du tout, mais bon. Alors, tiens. Oh, d'accord, le chef cuistot français. On va lui mettre une petite moustache comme ça, des belles dents. Et les yeux. Non, on lui met qu'un œil comme ça, ça sera très bien. Ah non, attendez, je vais changer la moustache, celle-là est beaucoup plus appropriée. Là, on va s'amuser, ça va être sur le remodelage. Alors, on va en faire un petit français comme ça. Tac, voilà, le chapeau il tient plus en place là. Le chapeau est en train de briller sur la droite. Oh putain, il fait peur, on va lui allonger le menton comme ça. Viens là, menton, viens là. Pas mal, ça fait un croissant. Voici le boulanger prêt, un petit croissant comme ça. Alors attendez, là c'est quoi ça maintenant? Une étoile de mer, d'accord. Bon bah c'est pas mal ça, j'espère que ça va lui plaire. Voici. Oh bah ça lui a fait péter de rire. C'est bon, elle est contente, très bien. Et merci pour le tips. Ah merde, faut que je le claim avec une pub, non, c'est bon. Allez salut, merci. Bonjour, je suis écossais. T'inquiète mon pote, j'ai tout ce qu'il te faut. Ah mince, y a plus de pub disponible, tant pis. Bon, on prendra ça, j'espère que ça va aller, hein. Vas-y, on va se contenter de ça, je creuse un petit peu comme ça, là, au niveau de l'arcade, et ça suffira. Alors, j'ai un peu de thune, on va te mettre une belle chevelure écossaise, j'en sais rien s'ils ont ça, les écossais, mais c'est une coiffure un petit peu démodée, hein, il faut l'avouer. En tout cas, je lui ai mis de beaux yeux. Alors, on va lui faire le drapeau écossais, tranquillement, voilà, parfait. On va lui faire aussi de ce côté-là, c'est pas trop une croix, hein, mais bon... Eh ben parfait, il est très très stylé, franchement je suis très content. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, j'ai tout modifié. What? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de le réduire à néant. Il reste plus rien. Il reste que les axes, il reste qu'un œil, il reste que deux yeux. Mais, oh là, je vais lui livrer ça, vraiment? Ah c'est bon, j'arrive à le reconstituer, c'est bon, il revient. Oh, je l'ai fait repartir. Allez, vas-y, tiens, prends ça. Niveau satisfaction. Mais oui, mais ils sont tous... Mais 3 étoiles sur 3. C'est n'importe quoi, ce jeu. Allez, salut, merci à toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh, Robert Downey Jr. J'accepte. Mince, il n'y a plus de pub. Non, je peux pas le faire. Oh, je suis obligé de me nexter. Non, dommage. Je vais à la zone 51. Ouais, vas-y, je suis pas dans tes affaires. Moi, je me casse. Quoi? Je dois dessiner un carré? Et si j'ai envie de faire un triangle, comment ça se passe? Wouhou! Désolé mon gars, maintenant faut faire un rond. Mais si j'ai encore envie de faire un triangle, comment ça se passe? Ah, mince, il arrive pas à descendre. Ok d'accord, on va faire un rond, ça sera plus simple. Et toi mon gars, tu vas prendre ça, boum. On est actuellement sur le jeu Draw Hero. Et vous avez compris le principe, nous allons devoir dessiner les armes qui tueront nos adversaires. Là par exemple, il faut faire un rond encore pour que ça descende. Et à mon avis, il faut pas le faire trop long, sinon ça passera pas. On va tester de le faire trop long, voir ce que ça donne. Et oui, ça bouge effectivement. Donc on va en faire un tout petit comme ça, mais... Et après on aura sûrement plus de liberté dans les dessins. J'aurais pu faire complètement autre chose. Et c'est ça qui sera pas mal fait. Car vous me connaissez, moi niveau dessin je suis pas mal. Ah sauf que là on a 2 personnes à tuer. Donc soyons assez larges, on va faire un gribouillis comme ça. Un ressort géant et boum. Première victime défoncée, deuxième également. Niveau suivant. Il y a un otage. Alors comment on va faire? Est-ce qu'on se le fait en plusieurs étapes? Ou alors attendez, parce que si je fais un dessin comme ça. Ah on peut dessiner, d'accord, ça traverse là par contre. Non tu vas mourir. On l'a rebondi. Ok, on recommence. Bon, ben là, cette fois-ci, on va faire tomber une enclume sur cette personne. Oui, ceci est une enclume. Et on va faire ça étape par étape. Et wow, il est parti où, lui? Et lui, on va lui faire tomber le plus grand carré possible. Ah non, j'arrive pas. Ah, mince. Oh, on va tout remplir comme ça. Oh, loulou.
Par contre, faudrait pas que ça tombe sur elle après. Donc allez, ayons un petit peu de chance. Attention, attention, va-t'en, va-t'en, cours, ça va te tomber dessus. Non, c'est bon, ça s'est stabilisé sur le corps de l'autre. Allez, nouveau niveau maintenant, niveau 6. Et on a maintenant plusieurs choses, de la TNT notamment à faire exploser, voilà, tout simple. Bon, par contre, ils sont relous à nous dire ce qu'on doit faire. Laissez-moi faire ce que je veux. Regardez, lui, il est en train de le menacer avec un gun. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner également un gun. Hop là, voilà, ça c'est mon gun. Ça c'est la gâchette, on va dire. Et ça c'est la poignée de mon gun. Et avec un peu de chance, mon gun va tomber sur lui. Parfait, les amis. Quelle bonne idée de faire un gun. Bon, là c'est tout simple. Je suppose qu'il faut faire tomber quelque chose sur le bouton. On va essayer de faire un rond, comme ça, ça va bien rouler. Normalement, ça va le faire. Oui, bam. Ils sont partis sous la terre. What? Il faut faire tomber les cubes là comme ça? Enfin les caisses? Alors on va faire un M comme ça. Ah d'accord. Oh, ils ont failli survivre quand même hein. Parce que je sais pas si les caisses les ont tués ou alors c'est mon M. Mais ils ont failli se mettre dans les compartiments du M. Ça aurait été dommage quand même. Alors là il faut pas faire un truc trop gros sinon ça ne passera pas. Par contre j'ai quand même envie de tenter de faire un triangle. Voir s'il va réussir à les appuyer. Ah non. Attendez, je vais essayer de refaire le triangle mais un peu moins large quand même. Un petit triangle isocèle comme ça. Oui, ça a marché. Mec, qu'est-ce que tu fais sur cette balançoire? Je vais te faire... Oh, il faudrait lui faire tomber un poids de musculation. Une petite haltère là, une petite haltère. Oh là là, ça va être difficile de dessiner une haltère là comme ça. Non, non, ça va être assez lourd pour le faire tomber. C'est parti. Et boum. Aidez-moi, aidez-moi. Redkill, est-ce que tu peux m'aider? Je suis abonné à ta chaîne. Ah bah si t'es abonné, y a pas de problème. Je vais t'aider. Par contre, c'est quoi ces caisses bleues là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire tomber un truc dessus, voir ce que ça donne. Oh, non, 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 non. Ah. Oh, désolé. Moins un abonné sur ma chaîne. Bon bah du coup on va essayer de faire pencher la balance dans l'autre sens. Et là normalement on va pouvoir toucher le premier et le deuxième s'il vous plaît. Oui, on a eu les deux. Ah, je suis tellement désolé de t'avoir tué une première fois. Oh là, les niveaux se compliquent les amis. Alors comment ça se passe? On a une petite flèche qui va être tirée là je pense. Mais d'abord qu'est-ce qu'il faudrait faire? Oh, non, il faudrait ouvrir ça. Mais ça, ça va s'ouvrir avec le bouton. Donc il suffit juste de faire tourner la roue dentée. Ça devrait le faire. Oui, c'est bon, c'est ça. Et bam. Les niveaux sont vraiment trop stylés sur ce jeu. Alors là on va faire tomber le petit truc qui va exploser, la petite tour d'incendie et bam! Tout simple. Bon, on va tenter de faire tomber un carré, voir si ça arrive à rouler. Allez, oui, ça roule! Non, t'es parti où? Fallait appuyer sur le bouton! Ok, on retente un autre petit carré. Allez, un peu de chance, un peu de chance! Oui! Bon, ce coup de poing. On va faire une petite lame en diagonale comme ça pour pousser. Allô, pousse-toi! Pousse-toi! Allez, pousse-toi! Pousse-toi, je te dis! Pousse! Allez! Oh là 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 là, c'est bon, ça a marché! J'ai enlevé tout l'encre de mon crayon papier, toute la mine de mon crayon papier, parce que oui, on a un crayon papier. Bon, ben là, il faut refaire la même chose, mais s'il vous plaît, pas la même erreur. Voilà, là, ça a marché. Attention la flèche, attention, attention. Planté le type. Maintenant, nous allons devoir faire tomber cette grande colonne là qui va activer ça. Oh, boum, à travers les caisses. Alors, quel bouton est relié à quel coup de poing? Est-ce qu'ils ont été fourbes et ils les ont inversés? Je pense que oui. Donc normalement si je prends celui de gauche, ça va activer celui de droite. Je suis sûr qu'ils ont été fourbes. Allez, on l'active, on l'active, on l'active. Eh, c'était ça. Oh, il était trop fort. Yes, c'est bon, j'ai pas encore tué un abonné, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'on peut pas le faire en un dessin? Je pense pas, hein. Il va falloir deux dessins. Donc on va faire une petite boule ici, une petite boule là, et ça c'est cadeau les amis. Bye. Qu'est-ce que c'est que ces boules de feu là? Alors attendez, je vais mettre une grande barre, voir à quoi elles servent. Oh, 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 oh. Ah ok, bah c'est les mêmes choses que tout à l'heure, sauf qu'elles sont en feu et elles sont plus stylées. Allez, allez, bouge, 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 bouge. Sur le coin de la tête. On a maintenant débloqué des canons. Comment on les active les canons? Est-ce qu'il faut juste les activer comme ça ou pas? Oui, ok, c'est tout simple. Allez, votre mort sera signée de mes initiales RK. Niveau très simple, on l'a réussi avec le signe RK, ça fait plaisir. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait pas faire tomber quelque chose? Je vais dessiner un crayon à papier comme ça. C'est bien la honte de se faire tuer par un crayon à papier. Boum. On se croirait dans Angry Birds. Bon, franchement, dans ce jeu, les criminels, ils sont pas du tout intelligents. Regardez sur quoi ils tiennent. Des caisses incendiaires avec un canon en face. Mais ils cherchent la merde, ces types. Allez hop, on propose juste ce petit truc, tout simplement. Et bam. Oula, il faut être vachement minutieux pour faire passer quelque chose juste là. Alors, on va faire une grande colonne. On n'était pas obligé de faire une grande colonne, mais on va en faire une quand même. Et ça passe. Oui. Oh, j'en ai tué que deux. Il faut faire tuer. What? Elles viennent d'où, celles-là? Elles arrivent d'où? J'adore parce qu'à chaque fin de niveau, il y a marqué « Vous avez sauvé le monde ». On a sauvé le monde combien de fois aujourd'hui? Alors, oulalalalalala. Là, il faut faire un rond assez grand pour pas que ça tombe entre les deux. Normalement, ça va le faire.
Ah bah oui, mais fallait pas que ce soit trop grand non plus, hein. Sinon ça passera pas la suite. Non, par contre, on pourrait boucher l'entrée ici, peut-être. Ah oui, mais faudrait déjà mettre un rond, non? Comme ça, bloque-toi. Non, désolé. Non, on a dit, on va faire un rond assez grand comme ça pour que ça bloque ici, s'il vous plaît. Ah bah voilà, c'est bon, il y a été, parfait. Alors là, c'est pareil, il faut être vachement précis, il faut vraiment dessiner un tout petit point comme ça, et normalement, ça va suffire. Tac, tac, et... Oh, attention, regarde, monsieur les amis. Boum! Il y a la flèche qui met des petits coups de pression là en poussant ça et nous, eh bien on va l'activer cette flèche. Alors là ils sont trois. Ils sont en train de dormir ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font sérieux? Bon, on les tue avec quoi les amis? On va activer une flèche, alors pourquoi pas faire un arc? Alors on va faire ça comme ça. Voilà la petite flèche qui va bien. Tac, oula, j'ai fait dans le mauvais sens. Là, c'est bon, on va dire que c'est un arc. Oui, ça va bien. Et boum! La triplette. Alors là, il faut envoyer le truc au bon moment parce que là, les pics, ils sont en train de tourner. Donc, il faut le faire sauter au moment où ils arrivent juste en face. Alors, attention, attention, attention. C'est maintenant jamais. Go, 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 go. Non, attention, tu vas mourir, toi. Non. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour pas la tuer, elle. Hein. Parce que là, c'est chaud, hein. Je vais refaire un truc comme ça, pourquoi pas. Oula, ça a pas réussi à tomber. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, attention, c'est bon là normalement. Oui, lui il est piqué, elle c'est bon. Attention, ça va la toucher, ça va la toucher, ça va la toucher. Oh non, ça l'a touché. C'est bon, je passe quand même au niveau suivant, ça a marché. Alors là par contre, ça a pas l'air compliqué, mais faut juste pas faire tomber la colonne sur elle. Alors on va essayer de pas trop la toucher. Si je mets une petite boule comme ça, ça va. What? Ça a tombé sur elle directement. Bon, bah, on va essayer d'être un peu plus précis, comme ça, ou alors... Ah, non, 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 non. On peut juste faire tomber les caisses dans l'autre sens, tout simplement. Donc faire un truc comme ça, et là, c'est bon. C'est réglé. Oh non, non, tombez, tombez. Oui. Attention à toi. On active tout simplement les deux boutons. Ah mais non, juste un. Oh là, j'ai été un peu vite, j'ai même pas vu qu'il y avait un otage. Oh, c'est un vrai puzzle ce truc. Bon, en vrai, il suffit de faire tomber une petite balle. Oh, rebondit un petit peu hasardement, hein. Mais c'est bon. Ok, alors là, il faut faire un truc assez large pour pas que ça tombe entre les deux. Attention, c'est bon, c'est suffisant, attention, baisse la tête. Oh, ça passe juste. Bon là, c'est cool, on a une grande zone de dessin. On va pouvoir se faire plaisir pour tuer ces trois personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va dessiner? Je sais ce qu'on va dessiner, les amis. Et si ça marche, vous avez intérêt à le faire. On va dessiner, bien évidemment, un gros pouce bleu comme ça. Et si ça marche, mettez-le, le gros pouce bleu. Mettez-le quand même, s'il vous plaît. Je vais quand même retenter. On va juste le mettre dans l'autre sens. On va le mettre un pouce moyen, genre un pouce horizontal comme ça. Mais non, ça marchera pas. Mais oui, il faut que j'arrive à bénéficier de toute la zone de dessin. Bon, au pire, on fait juste un triangle. Hop là, comme ça. Et là, normalement, ça va le faire un bel angle droit dans la face. Quatre personnes maintenant. Ok, très bien, on va faire tomber cette petite balle-là. Voilà, avec ma sucette lollipop comme ça, là. Vas-y, tombe. Parfait. Un, deux, trois, et quatre. Let's go. À quoi sert ce bouton-là? Je sais pas, on va l'activer avec une cerise. Allez, une cerise, voilà, parfait. Toi, d'accord, c'est des flèches qui viennent des côtés. Eh les gars, regardez au-dessus, regardez ce qu'il y a. Bon là, il va pas falloir se rater, on est en plein dans le ciel. Alors, une petite balle comme ça, normalement, ça devrait y aller. Non, trop loin. Une toute petite bille comme ça, peut-être, alors. Oh là, oh là, oh là, ça va pas le faire. Oh non, ok, elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi. On va en remettre une autre, un peu plus grosse. Attention, là, c'est parfait. Boum! Dans la main. Ouh là là, par contre, il va falloir avoir de la chance, je pense, hein. On va pousser... Oh. Allez, pousse-toi! 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 C'est bon. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ah d'accord, c'est bon, c'est bon. Mets-toi entre les deux, ça va pousser celle à gauche, et... Attention, elle rebondit sur quoi, elle? Oula! Bam! On va les faire mourir par une petite fleur comme ça. Waouh, elle est magnifique. Ouais, pars pas trop loin, pars pas... Oui, bien joué. Et lui, à gauche, une tulipe. Voilà, petite tulipe sur toi, mon ami. Ok, on va t'envoyer juste des petits grains, des petits grains comme ça. Voilà. Donc ça y est, nous avons notre première victime, mais on a également un tutoriel, ouais. Moi je débute, hein, je commence juste en dieu de la mort. Donc il faut bien qu'on m'explique quand même comment on va s'en occuper. Alors, il semblerait qu'on ait un fil électrique prêt à électrocuter notre protagoniste. Mais on a également des ciseaux, ok, bon on va faire le tuto, on met le ciseau ici, ça ouvre le truc, et attention, ça va péter. Yes. C'est bon. Première victime réussie, on le fauche et c'est fini. Allez, on continue donc avec notre deuxième victime. Alors cette fois-ci, on est dans la salle de bain, le mec flexe tranquillement, on voit qu'il a l'air d'être plutôt bling bling, et il faut trouver comment on va s'occuper de lui. Alors, on va étendre cette serviette ici, ok, il part chercher la... What the fuck, c'était hyper simple.
Ah ben là, il y avait rien de compliqué les amis, un niveau 2 pour l'instant. Mes victimes sont très simples à tuer, mais ça va se compliquer. Alors lui, il fait du trampoline, ok. Alors, de ce que j'entends, il a l'air de plutôt bien s'amuser. Est-ce que je peux prendre la pelle? Ouais, qu'est-ce que je peux faire avec la pelle? Je peux pas creuser un trou quelque part? Non. Si je mets ça là, non. Par contre, si je déplace ça... Ah non, par contre, je peux peut-être appuyer sur le truc. Non, je vois. Le chien, peut-être. Ah, la gamelle, ok. Il faut prendre la gamelle, l'accrocher là, peut-être. Non, même pas. Et si je mets la gamelle sur le trampoline, ça fait ça. Il va se faire mal, là, non? Ah non, d'accord. What? Ça a bougé le truc. Oh, attention. Maintenant, il faut prendre la pelle. Mais avec la pelle... Oh non! J'ai placé la pelle sur le trampoline! Oh, attention! Wouah! J'ai cru qu'il allait se faire trancher par la pelle, mais encore pire que ça! La pelle a rebondi, il a défoncé! Troisième victime réussie! Je bois mon coca tranquillement. Je l'ai mérité, celui-là. Ah bah oui, je l'ai mérité. Je fais mon travail. Et vous savez ce que je mérite aussi en tant que dieu de la mort? C'est un gros pouce bleu sous cette vidéo. Alors je compte sur tout le monde pour en mettre un énorme. Allez, je vais même jouer à la roue de la fortune tant que j'y suis. Allez, 100$ de plus. Et c'est pas ouf, hein, je suis un dieu de la mort, vous auriez pu me donner plus, hein. Je vais choper le mec qui a inventé là, cette roue de la fortune. Bon allez, je vais améliorer mon appart vite fait. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? De toute façon, non mais j'ai pas beaucoup de thunes, mais pour le peu de temps que je vais y passer, franchement, ça sert à rien. Hein. Voici un petit tapis, tranquille, on va passer au niveau 4 maintenant. Quatrième victime, c'est parti. Donc lui, il est tranquillement en train de regarder son feuilleton télévisé. On a moyen de changer de chaîne, peut-être? Attention. Non, on peut pas. Il y a un coca ici. Si on lui donne le coca, il va le boire tranquillement. N'en bois pas trop, mec, hein. Non, ça fait rien. Il faudrait le faire tomber de sa chaise, en fait. Alors, si je prends la télécommande et que je lui donne... Ah, il a eu peur! Oh, attention! La télécommande! La télécommande! Non, il a... Non, il a pas avalé la télécommande, quand même. Mais non! Ah là là! En plus d'être un bon dieu de la mort, j'ai des idées originales pour aller défoncer. Alors, le suivant, ok. Il y a un zombie derrière lui. Il va sûrement falloir défoncer la glace ou la faire fondre et envoyer le zombie sur lui. Au calme, voilà. En tant que dieu de la mort, c'est pas nous qui nous occupons des victimes. On envoie des zombies pour le faire. On a affaire à Bob le bricoleur, ou le fermier plutôt. Il faut lui donner peut-être un petit peu de peinture, tu veux pas? What the fuck? Oh non, mais oui! Il fallait choisir le rouge pour qu'il se fasse défoncer, évidemment. Ah! J'avais même pas pensé à ça, mais ça a marché direct, ouais. Alors, kill by inertia. Ah, d'accord, il va falloir sûrement enlever un des trucs, là. Alors, si j'enlève une caisse et que je la mets là, non? Si je prends toutes les caisses et que je les mets là, ça marche pas? Et si je mets la caisse devant elle? Non, ça va pas lui casser quelque chose? Ah si! C'est ça! What? Oh, j'avais vu un film comme ça, c'était Destination Finale 2, ça faisait un truc comme ça. Ah, c'est énorme. Ah, voilà, comme quoi, regarder des films, ça donne des bonnes idées parfois. Non, je rigole, ne faites pas comme dans les films, vraiment pas. Faut faire en sorte qu'il se fasse sûrement attaquer par le petit piranha, là. Non, c'est bon, c'est juste ça. Voilà, ça commence à lui bouffer le truc, ça met du sang, et le requin arrive pour le démonter. Merci, petit piranha, merci beaucoup. Alors, la suite, on a Robin des Bois qui est là. Il tire tranquillement sur sa cible pour s'entraîner pour aller à Koh Lanta. Alors si je mets ça sur la cible, non on peut pas. Ah attendez, je vais faire bouger la ruche. Non, on peut pas, le nid. Il faudrait qu'il tire dessus, comment on pourrait lui faire en sorte qu'il tire dessus? Peut-être si je lui fais tomber la brique. What? Ah, j'ai mis la brique sur sa flèche. Et si je mets la brique dans le nid? Ah ah ah, tire pas mon gadget. Bye bye. Let's go. Oh là, il est tout violet maintenant. Bon, ça serait bien de rajouter quelques petits rideaux rouges comme d'habitude, magnifique. Oh, il commence à se mettre bien, mon dieu de la mort, là. Ça y est, il va s'installer définitivement dans cet appart, je pense, hein. Alors, lui, qu'est-ce qu'on lui fait? Il y a une clé ici, tiens, mais prends la clé, frère, t'embête pas, hein. Hein, non? Mais prends la hache, si tu veux, vas-y, occupe-toi de la hache. T'es sûr de vouloir faire ça? Ah! Il s'est pris une stalactite sur la tête, dans le crâne, mon pauvre. Fin du game. Alors, niveau suivant, d'accord, on est là sur un ancien train dans lequel on va pouvoir bouger cette caisse. Là, peut-être si on met tout d'un coup, ça va exploser, non? Non, je sais pas. Bah, si je mets tout par là, si ça va boucher, ouais, ça va boucher. Oh, oh, attention, retour de flamme, mon pote. Attention. Il meurt par asphyxie. Alors, niveau 12, on est là face à un boxeur. Ah, on va pouvoir lui donner un petit peu de testostérone. Là, vas-y, hop, injecte-toi ça. Hop, là, voilà, il est costaud, le type. Il va se prendre le retour, c'est... Oh, le porte-retour dans la tête. Oh, c'est dégueulasse. Énorme ici. Non, mais les morts sont de plus en plus originales. Allez, la chance. 500, c'est pas mal. What the fuck? On est là sur un show, un spectacle. Ah, je peux bouger ça. Alors, si je le mets là, non, ça va pas le faire. Il va juste... Mais si. Oh, oh, attention à la voiture.
Oh, en vrai, c'est une toute petite voiture, elle fait la taille du gars, quoi. Allez, c'est bon, il est terminé. Niveau suivant, on est là à une petite soirée barbecue comme ça. On a une bière, deux amoureux, un chien. Oh, le chien est en laisse, il est complètement attaché. Si on prend la bière et qu'on leur donne, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh là, ok, il a bu un petit peu. Si on prend la broche, ah non, le chien, ouais, il faudrait donner ça dans le chien. Voilà, dans la gamelle. Attention, ça va bouger. Allez, il va bouger la table ou pas? Oh, attention, l'explosion! Ah, la broche! Ah ouais, c'est un peu chialé quand même. En tout cas, on a fait deux victimes pour le prix d'un niveau. Ça, ça fait plaisir. Les skins coûtent tellement cher, 7000, c'est énorme. 25000, oh là là, il y a des skins de ouf. Et au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a? On a un petit ballon, une des épées, d'accord, ouais, des trucs... Le drapeau américain, d'accord, pas de problème. Trop stylé. Ok, allez, allons nous occuper de notre 15e niveau. D'accord, le mec lance des grenades, déjà. Déjà, le gars est dans une situation inconfortable. Alors, si on prend la bouteille et que... Ah bah tiens, lance la bouteille plutôt, lance le cocktail Molotov. Mais non, le bois pas. Ah bah si, c'est bon, c'est bon. Mais tiens, prends une grenade de plus. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être la grenade pour le chien. Oh non, pauvre chien. Oh, il l'a mangé. Non? Elle est où la grenade? Je comprends pas. What? Il est parti la chercher, il est fou. Il la ramène à son père. Ce n'est que poussière. Au moins, il n'y a pas besoin de l'incinérer, quoi. Oh, ok, on est là pour une grosse soirée alcoolisée avec du vin. Bien sûr, il faut consommer avec modération. Tiens, prends ça, c'est du piment. Vas-y, sers-lui, il a soif, là. Vas-y, sers-lui, sers-lui. Vas-y, hop là. C'est du piment, mon gars. C'est du piment. Ah, oh. What? Il lui a tiré dessus, comme ça. Oh non, il a eu aussi. Oh là là, la chance qu'il a. Oh non, mais moi, je voulais pas faire deux victimes. Je voulais juste m'occuper du gars. Pas de la serveuse. Bon bah tant pis hein. Bon, vu que je suis un dieu de la mort, vachement occupé, je vais prendre un petit robot aspirateur. C'est bien ça, ouais, c'est ça. Hop là, comme ça, quand on revient à chaque fois, c'est tout propre. Oh shit, on est sur Mars, les amis. Ça y est, on est sur Mars. On va pouvoir prendre le drapeau. Tiens, prends le drapeau, mon pote. Amuse-toi avec le drapeau. Hop, plante-le. Nickel. Oh oh, oh oh. Ah ouais, fallait pas. Il fallait pas embêter les ovnis, mon gars. T'es mort. C'est chez les ovnis ici, mon gars. Ah, attention, Elon Musk, hein. Toi qui vas aller sur Mars, fais attention. Hein. Oh non, pourquoi il faut s'occuper d'un enfant? Il n'a rien fait. Bon, bah ok. Hein. Allez, on va lui prendre son train. On va... Qu'est-ce qu'on peut lui faire avec son train? On peut peut-être... Non, je sais pas. On peut peut-être le mettre là-dessus. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il va avancer. Ah non, ok, il va le remettre. Donc c'est pas ça qu'il fallait faire. Et si je le mets là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, il arrivera pas à monter. Oh, ne monte pas. Non, non, non. Écrasé. Oh, on est là face à un explorateur qui a trouvé le dragon. Et on a plusieurs choses à faire. Peut-être le miroir. Tiens, prends le miroir. Je sais pas ce que ça va faire. Oh oh. Oh, il l'a endormi. Mais non, il a réussi. Oh non, j'ai fail à ma mission. Bah attends, prends les bottes. Tiens, prends les bottes. Oh, ça fait du bruit, ça. Oh, ça fait du bruit. Ah, il s'est fait défoncer. Bye bye. Oh, c'est facile. Oh là là. Qu'est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on lui éteint la lumière? Ou alors on va l'allumer, peut-être qu'il va s'électrifier. Oh, attention à la mousse! C'est la meuf qui a tué, c'est pas moi! C'est pas moi cette fois-ci, je n'ai rien fait. Je ne suis que de passage. Oh! On est là face à un savant fou. Oh, yo, 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 yo. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner à boire? Tiens, bois ça, mon pote. On met ça dans son coca. Oh. Attends, on va faire un mélange. Oh là, mets tout. Mais ça va être n'importe quoi, il le boit, c'est un ouf. Il le boit, attention. Facile, là c'était easy hein. En même temps, dans son labo, il avait tout ce qu'il fallait pour s'occuper de lui hein. Donc la suite, l'autre il joue au ping-pong. Il a un ballon de foot, un ballon de basket. Et le lustre qui peut tomber à tout moment. Tu veux jouer avec moi? Viens, on joue ensemble. Hop, vas-y, ping, ping, ping. Non, ça marche pas, peut-être que si je le mets là-haut. Non, le ballon, tiens, joue au ballon. Ah ouais, oh là là, je le sens pas. Attention au lustre. Yeah, yeah. Non, c'est bon, il va pas faire de dinguerie. Non, ça va, on va lui donner le ballon de basket cette fois-ci. Oh, oh, ça remue, oh, ça bouge. Attention à la mousse. Oh shit. Ah, ça c'est bête comme mort hein. Juste parce que t'as voulu jouer à l'intérieur, le ballon c'est dehors. Ah, c'est ce que ma maman me disait tout le temps. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir bien m'acheter? J'ai 2200, oh, une petite lampe. Non, pas une petite lampe quand même, ça coûte cher. Oh, il y aurait plein de trucs encore. Une horloge, non, Osef de l'horloge, j'ai pas le temps moi. Eh ben, à boire, allez, un petit truc. Ah non, c'est même pas à boire, ok, un petit ballon de basket. Un petit ballon de rugby, ah mince, c'est un des deux, mince. Bon, ben, j'aurais dû garder ma thune pour une petite plante ou je ne sais quoi. Allez, on passe au niveau 23, oh là. Oh, déjà, lui, il est en danger hein. Il se met là, posé. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Oh là. Ah si, on peut prendre sa bouteille de coca quand il l'a pas. Peut-être que si on lui déplace, on la met là. Voilà. Ouh, il a eu de la chance, hein.
Il a eu de la chance. Par contre, si je la prends et que je la mets là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever. C'est un grand fou. Oh, oh non. Oh là, mais jamais ça dépasse comme ça sur la route de trottoir à trottoir, les fils électriques. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça se fait. Bon, ok, tant pis. D'accord, alors... On est à l'hôpital. Oh, le téléphone. Avant, il fallait pas utiliser le téléphone dans les hôpitaux. Il appelle l'infirmière. L'infirmière lui redonne un petit peu de quoi survivre. Il va lire un livre. Il s'endort. Oh, il s'endort. Et voilà, il s'est endormi car il a lu un livre. Et du coup, il y a son sang qui remonte. Il a plus de sang. Son sang va exploser. Oh, aïe, aïe, ça doit faire trop mal. Niveau 25 maintenant. On est là face à quelqu'un qui est en train de laver un building. On va lui mettre un petit coup. What? Pourquoi il se met à... Pour... D'accord. Ah ouais, d'accord, il se met à flipper. Allez, j'arrête. Tiens, prends ce dos, là. Oh, attention, c'est un peu lourd. Oh, oh, oh. C'est bon? C'est bon? Ça tient? Ça tient? Tout va bien? Oh! Le poids qui vient de lui tomber dessus! Nickel! Facile! Aujourd'hui, nos décisions vont être très importantes. Nous sommes sur le runner, good or evil. Et si on choisit d'être sympa avec les autres, on deviendra peut-être un ange. Oh, elles vont bien ces petites ailes! Et au contraire, les amis, si on prend des mauvaises décisions, on deviendra un démon. Donc, bien évidemment, les amis, vous me connaissez, moi je vais me ranger du bon côté, je vais me transformer en ange. Attendez, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Enlevez-moi ça! J'arrive pas à l'enlever! Le démon est en train de prendre mon corps. Alors c'est parti pour les mauvaises décisions. Donnez-moi cette sucette là. Alors on va la lancer ou on la partage? On la lance bien évidemment. Bam! Voilà! Le lait on le boit ou alors on met que fus. C'est quoi un fus? On va voir ça. Boum! Tiens maman, je ne veux pas ton lait. Et on va également lancer cette personne. Hop là! Alors qu'est-ce qu'on fait là? On lui fait pépé dessus. Bon bah là les amis, je pense qu'on mérite d'aller plutôt à gauche. Comme vous pouvez le constater, on passe en démon bien évidemment. On va où là? Oh, je crois qu'on est parti pour l'enfer. Oh, ok, ça va pas les amis, il faut que je me rattrape en tant que ange. Le démon est en train de reprendre le dessus sur moi. Bon bah pas de problème, on va prendre up un petit cahier et nous on va tricher. Donne-moi toutes les réponses toi. Let's go! Alors, là, on prend un livre maintenant et on va être mauvais avec le professeur. Boum! J'ai raté mon coup de pied, mais tout va bien. Oh, trop bien. J'ai un rock comme ça que je vais lui lancer sur la tête. Let's go! Bon, pour l'instant, les amis, on est toujours du côté démon. Il faut qu'on arrive à être du côté gentil. Ah, ça y est, je me sens apaisé maintenant. Ah, nous avons un petit peu d'argent. Ah, j'adore l'argent. Non, aujourd'hui, on va aider les gens. Alors, on prend un maximum d'argent et on va aider les... Ah bah, les petits, voilà. Tiens, petit, prends ça. Hop là. Maintenant, on va prendre un gun box. Je l'ai raté, mais c'est bon. Oui, on va être sympa. On va éviter de se mélanger, hein. Pas de démon et de paradis. Dit en même temps, c'est pas possible ça. Hop là, on va se marier maintenant ou on va faire un divorce. Oh attendez, il y a d'autres portails derrière les amis. Hop là, le petit mariage du papy de 80 ans avec la jeune fille de 30 ans, normal. Alors hop, nous cette fois-ci on va aller à droite, c'est bon, on a fait les bons choix. Et par contre... Pourquoi je suis mort? Pourquoi je suis mort? Mais oui, je suis un ange, mais je suis pas obligé de me tuer. Oh non, les amis, on a perdu la partie. Bon, je vais retenter de prendre les bonnes décisions, alors. Là, on va aller à l'école tranquillement. Voilà, maman, j'ai eu des bonnes notes, tout va bien. On va prendre ensuite un jetpack. Pourquoi faire? Ah d'accord, non, c'est un aspirateur ou quoi? C'est quoi ce délire? Ah, hop là, on est en train de nettoyer. J'ai pas compris ce qu'on était en train de faire, là. Hop, on va prendre le Teddy et on va jouer avec un ami. Et là... On remplit toutes les cases de l'ange, les amis, en espérant ne pas mourir encore une fois. S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, madame. Hop là, c'est bon, tout va bien. Oui, on n'est pas mort cette fois-ci. Ah, l'une de mes passions, c'est de péter les guitares. Alors hop. Boum. Dans ta tête. Et ensuite... Oh, les amis, il y a du monde. Il y a du monde derrière. Qu'est-ce que c'est? Il y a juste deux personnes, il y a un burger. Ah ouais, il a pris un sale coup de poing. Et là maintenant, hop, on prend le burger. Et aïe, je me suis tapé le milieu. Et on va le mettre dans ta face. Allons direction la poubelle, voilà. Un peu de gâchis de nourriture, c'est parfait ça. Ok, c'est encore une réussite, les amis. Oh, ils ont ressorti les portails à la fin, les amis. On arrête les bêtises, je suis plus un démon, je suis plus un ange. Il va juste falloir prendre les bonnes décisions. Alors, oh c'est un pépé. Il faut lui donner à manger quand même, on va pas être méchant. Alors ensuite, attendez, on va faire une scène. Je sais pas quelle scène ça va être, je sais pas, on va jouer à Roméo et Juliette. Que c'est... Ah non, on est en train de l'embrouiller en fait. Oh, il y a un cadeau les amis ensuite. C'est fini quand l'embrouille là? What? Je lui ai récité l'alphabet ou quoi? Ah bah elle m'a répondu aussi avec l'alphabet. Alors je prends le cadeau et le monsieur ne l'a pas mérité. Hop là, c'est par terre et je l'écrase. Écrase, écrase. Voilà. Désolé. Bon alors, qu'est-ce que je mérite du coup? Parce que là, j'ai plus du côté gauche normalement. Oh non, j'ai perdu les amis, c'est pas ça qu'il fallait faire.
Bon bah 2 à 0 pour le démon, ça veut dire beaucoup de choses ça, je suis un véritable démon. Il faut que je me rattrape, alors hop, on va boire un petit peu. Maman regarde, je bois du lait, oui je suis un grand garçon, parfait. Ensuite soit on va lui lancer ou soit on va danser. Bon, j'aime pas trop danser mais allez. Ouais, trop fort, incroyable, la meilleure danse que j'ai jamais vue. Et allez, on va partager la sucette, c'est pas ouf ça, c'est pas ouf ça pour les maladies mais bon c'est pas grave. Allez hop, on part du côté ange les amis, il faut absolument qu'on y arrive. Donc pour cela il va falloir lire des livres les amis. Salut mon pote. Oh, ensuite on a un petit caillou, j'ai bien envie de lui lancer, j'adore ça, et bam. Il faut que je me rattrape les amis, il faut que je travaille dur cette fois-ci. Voilà, on triche pas cette fois-ci, on travaille dur. Hop là, on a même aidé notre camarade. Du coup on part du côté de l'ange bien évidemment. Et prochain niveau on saura si on mérite d'y rester. Ah ouais mais moi je voulais pas me marier. Hop là, ça part en divorce directement. J'ai pas envie de me marier avec toi. Aïe, oh, oh, la pauvre. Par contre on va aider les personnes un peu. Tiens petit, prom prom prom. Et là les amis je suis obligé de passer du côté des gens. Des gentils, voilà, respectful. Salut mon pote, respect, respect. On a montré du respect sur le papier là. Allez hop, là c'est bon cette fois-ci. Mais non, pourquoi je suis mort? Non. Est-ce que j'ai quand même eu le point? Oui, j'ai eu le point. Non, 3-0 de mort. Ah, ça va pas du tout ça. Bon bah pour la peine, hop là. Je nettoie pas maman. Non, le teddy, on le partage pas. Tu veux un truc toi? Eh ben non. Ça c'est du sacré partage. Catch the bus? Quoi, catch the bus? Qu'est-ce que c'est que ça? What? Ah, il faut que je... Qu'est-ce que c'est? J'ai raté le bus, les amis? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, bah, allez, on est reparti du côté méchant, hein, comme d'habitude. Hein. Je vais définitivement adopter la mauvaise forme. Ouais, cette fois-ci, on va être sympa. On va quand même lui offrir un petit cadeau. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est un poison à l'intérieur. Je voulais pas lui donner. Mais là, c'est pareil. C'est du poison. Voilà. Je suis du côté des méchants, moi, je vous le rappelle. Et alors là, on va discuter avec toi. Mais... c'est tout sauf gentil, c'est focus que je suis en train de te dire. Et là, normalement, on mérite le paradis, les amis. Je veux le paradis, ça le fait, et ne pas mourir, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas possible. Bon, bah, 4-0 pour le démon, hein. Bon, bah là, je vais prendre tous les meilleurs choix. Je vais faire un perfect en gentillesse. Et normalement, on devrait m'amener au paradis sans mourir. Tiens, jouons mon caillou ensemble. Tiens, prends mon caillou. Ah, bah non, du coup, lui, on l'attège, le caillou. Allez, c'est le moment de vérité. Hop, on prend l'argent, on aide les personnes. Ensuite, on a un gun box. On va pas le taper. On prend un gun box. Mais on le tape pas, tout va bien. Salut mon pote, j'ai un gun box, regarde, là, voilà, tout, c'est tout. Oh, et ensuite on le jette. Allez hop, maintenant, on va se marier. Et là, j'espère pouvoir terminer au paradis, mais sans mourir, s'il vous plaît. Oui, je sais, c'est pas logique, mais je veux finir au paradis au moins une fois dans ma vie, s'il vous plaît. Allez, monsieur l'ange, enfin madame l'ange. Non, je suis encore mort, mais c'est pas possible. Ah les amis, je crois que c'est ça qui me manquait pour devenir officiellement un véritable ange. Il faut que j'arrive à gagner. Alors hop, on va à l'école, tout se passe bien. Merci maman, je sais, je suis la meilleure. Regarde, je range ma chambre, encore une fois, je la range. Voilà, je mets pas un coup de pied dedans comme tout à l'heure. Avec un halo sur ma tête, je suis obligé pas. Attention, attention, je regardais pas. Oh, j'ai failli prendre une mauvaise décision. Allez hop, c'est tout pour elle. J'aimerais bien profiter au moins une fois du paradis sans mourir. Allez hop, on va jouer de la guitare à notre ami. Hop, voilà, ça te fait plaisir, j'espère. Tout va bien, ouais, c'est bon. Allez hop, je la jette, je la casse. On va aller voir notre ex. Ah, c'est bien que tu aies trouvé une autre personne. C'est très bien, ça, y a pas de problème, y a aucun problème. Oh, on va lui donner un burger cette fois-ci. Tiens, mon pote, mange-le. Let's go. Là, c'est bon, on est parfait pour l'instant. Hop, j'ai encore un petit biberon. Cette fois-ci, il est pas empoisonné, mon petit. Tout va bien. Et les petits cadeaux pour terminer. Et là, j'espère, on va y arriver. Cette fois-ci, on va y arriver. C'est obligé. Allez, tiens, prends ça. Ouvre-moi les portes du paradis, s'il te plaît. Non, mais je veux pas mourir. Non, mais je crois qu'on mérite définitivement d'être un démon, les amis. Bon, bah écoutez, les amis, j'ai beau terminer avec de belles ailes, un bel halo, et je dois définitivement faire partie de l'enfer. Je suis désolé, j'ai fait de mon mieux, je sais pas comment on gagne sur ce jeu. Bon, bah écoutez, les amis, je vous laisse avec d'autres vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur votre écran pour aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine en enfer. Ciao!